La première chose, c'est son histoire. C'est 36 ans d'histoire pour Classcroute, autour d'une idée assez originale de départ, qui était de nourrir le monde des actifs, les gens qui travaillent, autour de deux axes. Le premier, le produit, avec des recettes innovantes, toujours de qualité, des recettes qu'on trouve nulle part ailleurs. Et puis, une deuxième idée qui était de dire, on va amener un niveau de service que les entreprises n'ont pas l'habitude d'avoir. C'est par exemple se faire livrer sa pause déjeuner dans son bureau, sur son lieu de travail. Aujourd'hui, on est capable d'offrir une solution de restauration du petit déjeuner jusqu'au cocktail de 400 personnes, par exemple. Et puis, ces deux dernières années, avec la crise qu'on a pu connaître, il fallait créer de nouveaux canaux de distribution, de nouveaux canaux de vente. Donc, c'est en cela que l'innovation, notamment à travers le frigo connecté, nous a permis d'ouvrir plus de 40 frigos connectés l'année dernière, en 2021, de développer un concept qu'on appelle le corner in situ. Alors, on vient d'installer le premier dans une clinique importante à Melun, et aujourd'hui, on est la solution de restauration des soignants qui travaillent sur site. Et puis, on a développé aussi une offre digitale avec la e-cantine. Alors finalement, tous les collaborateurs de l'entreprise vont commander sur ce site-là. On va faire une seule livraison pour minimiser l'impact carbone de la livraison en entreprise. Notre métier, c'est du commerce. Et le commerce, c'est la relation de proximité. Et ce qu'on constate, et ce qu'on a constaté tout au long des 35 années, 36 années de développement, c'est qu'il n'y a pas mieux qu'un franchisé qui, dans sa zone, va porter, être l'ambassadeur de l'enseigne auprès de ses clients. Alors ces dernières années, nous avons, nous en tant que franchiseurs, pris nos propres responsabilités en créant deux laboratoires, deux restaurants, en utilisant ces points de vente pour tester un certain nombre de choses. Et puis la franchise, c'est aussi très clairement un moyen d'accélérer le développement. Alors en tant que franchiseur, l'enseigne a fait appel à un fonds sectoriel fin 2019, donc un fonds qui s'appelle French Food Capital, qui est majoritaire. Et puis nous sommes adossés à des pools bancaires pour financer nos différentes opérations de développement ces deux dernières années. On a fait recours à des organismes de crédit bail pour financer notamment notre développement frigo et corner in situ. Et puis sur d'autres projets de croissance externe, oui, on est sur des opérations plus gourmandes en cash. On accompagne nos candidats franchisés dans leur stratégie de financement. Et nous allons commencer par mettre à leur disposition une matrice vierge. Une matrice qui va les aider à construire leur business plan. On va bien entendu leur donner les ratios moyens de l'enseigne pour qu'ils puissent construire, des préférences avec l'aide d'un expert comptable, leur business plan qui va leur servir effectivement à déterminer si on se lance ou pas dans l'aventure. Une fois que le business plan est construit et validé par l'expert comptable, nous on va l'agréer, on va effectivement déterminer sa cohérence et une fois que c'est fait, on va mettre nos candidats en contact en fait avec des courtiers financiers. On a eu trois dossiers récemment, Dijon, Montauban et Poitiers, qui ont été financés grâce à la Caisse d'épargne. Nous avons été très contents de leur accompagnement. Nous avons trouvé trois villes différentes, avec des personnes différentes qui se sont occupées de nos dossiers, toujours d'une manière très agréable et humaine. Ils nous ont mis tout de suite en contact avec la personne qu'il fallait pour pouvoir effectivement financer le dossier comme il était nécessaire. Et on a été très surpris parce qu'effectivement, ils ont maintenu et respecté les délais qu'ils nous avaient annoncés. Et ils nous ont trouvé des conditions qui étaient superbes et en plus, ils nous ont accompagnés dans la monétique par la suite. Aujourd'hui, on a 146 points de contact. L'idée, effectivement, était de doubler ces numéros. La COVID nous a ralenti, mais ne nous a pas freiné. Le développement international viendra certainement un jour, mais ça sera une suite au maillage total de la France. Se lancer dans l'international n'est pas du tout une mince affaire. On ne fait pas les choses à l'international comme on les fait en France. Il faut tout recommencer. Il y a un modèle à reconstruire. Sébastien Chapalin a décidé de mailler la France, faire ça correctement. Et une fois qu'on aura fini ici, effectivement, on aura des possibilités d'expansion ailleurs.